الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. Chapitre numéro 49, à propos de la parole d'Allah. Puis, lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Ibn Hazm, rahimahullah, dit « Les savants sont unanimes au sujet de l'interdiction de tout nom indiquant la servitude à autre qu'Allah. » Comme l'esclave de Amr ou le serviteur de Amr, le serviteur de la Kaaba ou l'esclave de la Kaaba, et d'autres noms semblables, à l'exception de Abd, le Abd al-Muttalib. À l'exception de Abd al-Muttalib. Non. Munasabatul Bab, l'Kitab al-Tawhid. في بيان أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله لا تجوز بل هي داخلة في الشرك بالله عز وجل وفي كفر النعمة وهذا الباب كتتمة للباب السابق الباب الذي قبله فيه وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية والحذر أو الحذر مما يقدح في الشرك أو مما يقدح في التوحيد من عدم القيام بشكر الله سبحانه وتعالى. Donc, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid afin de démontrer l'interdiction d'appeler ses enfants par le serviteur puis de mettre un autre nom que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis de mettre le nom ou bien un nom autre que l'un des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car ceci entre dans le polythéisme, le fait d'appeler son enfant serviteur de un tel, esclave de un tel, en mettant autre que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci entre dans le shirk asghar à la base. Ça entre également dans l'interdiction, ou plutôt la personne qui tombe dans ce péché sera montrée ingrate devant le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce bienfait, ici tout particulièrement, le don d'enfants. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à la personne des enfants. Et ce chapitre est comme la finalité et la continuité du chapitre précédent. Dans le chapitre précédent, nous avions parlé de l'obligation de la reconnaissance devant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de ne pas attribuer ces bienfaits à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va citer un bienfait tout particulier qui est le bienfait des enfants. Fashtarikan البابان في نسبة النعمة لغير الله
والفرق بين هذا الباب والفرق بين هذا الباب والذي قبله أن هذا أخص من السابق. Donc les deux chapitres, celui-ci et le précédent, ont une similitude dans le fait que les deux nous parlent des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux nous parlent des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala et de faire revenir cela à autre que lui. Si ce n'est que ce chapitre est plus particulier, plus spécifique que le chapitre passé. Car dans ce chapitre, on nous cite un bienfait tout particulier qui est le bienfait des enfants. رزقنا الله وإياكم ذرية صالحة طيبة. الله سبحانه وتعالى nous dit dans ce verset فلما آتاهما صالحا. Puis lorsqu'il leur eut donné un enfant صالحا أي سليما معافى. صالحا c'est-à-dire un enfant sans maladie, en bonne santé. Ja'ala lahu shuraka'a. Tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Fima atahuma. Ayakumu al-walidan bil wuku'i fi الشرك بالله عز وجل وهذا الشرك له صور. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde un enfant ou des enfants à ses serviteurs, tu trouves que certains parmi les parents lui donnent des associés dans cela. Et الشرك après avoir reçu un enfant se traduit, comme l'ont cité les savants, de plusieurs façons. من صور الشرك في هذا الباب نسبة إيجاد الولد إلى غير الله تبارك وتعالى. Parmi les formes de polythéisme qui entrent dans ça, il y a le fait de dire que cet enfant vient d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui a donné cet enfant ou qui a créé cet enfant. Ça entre dans الشرك بالله عز وجل. إذن نسبة إيجاد وخلق هذا شرك أكبر في ربوبية هذا الاعتقاد كفر أكبر وبلا شك وشرك أكبر. Cette croyance est du polythéisme et de la mécréance majeure sans aucun doute. Celui qui lorsqu'il reçoit un enfant a comme croyance que cet enfant a été créé par tel wali ou par tel ange, par tel prophète ou que ce don lui provient de telle ou telle autre créature, sans aucun doute, il a donné un égal à Allah tabaraka wa ta'ala dans la création. Wa min suwari ash-shirk fi hadha al-bab idafatu as-salama ila at-tabib aw ghayrihi. Le fait de dire la naissance a eu lieu ou bien l'enfant est sain et sauf grâce au médecin. D'accord? Sans ce médecin, l'enfant n'aurait pas survécu. Et ce genre de parole. Le fait d'attribuer donc la bonne santé de l'enfant ou le bon déroulement de l'accouchement à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on apporte la bonne nouvelle au père, par exemple, que l'accouchement s'est bien passé, que l'enfant et la mère se portent au mieux, et ils se mettent à dire, je savais, c'est pour ça que j'ai choisi cet hôpital. Parce que telle sage-femme ne rate jamais, car telle sage-femme a telle et telle compétence. Et sans cette femme-là, l'enfant n'aurait pas survécu. Et ce genre de parole. Naam. Et ce genre de parole. Donc il fait revenir ce bienfait, le fait que l'enfant soit en bonne santé, le fait qu'il ait survécu, il fait revenir ce bienfait à la sage-femme. Il fait revenir ce bienfait autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, hadha shirkun asghar. Ceci entre dans le polythéisme mineur. Il a exagéré dans la cause. Il a exagéré dans la cause au point d'en parler en ces termes.
نظر إلى السبب ومال قلبه إلي. Il a penché avec son cœur vers les causes. Troisièmement, أن يقدم محبة الولد على محبة الله سبحانه وتعالى فيقع في معصية الله تبارك وتعالى. Troisièmement, le fait de faire devancer l'amour de cet enfant sur l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, au point où la personne tombe dans les péchés pour son enfant. Il travaille dans le haram pour amener des choses à son enfant. Il délaisse des obligations pour son enfant. Donc cet enfant devient pour lui une fitna, au point où il désobéit Allah tabaraka wa ta'ala. Il fait devancer ce que son enfant aime sur ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. Il désobéit donc ainsi Allah tabaraka wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Hada muharram. Hada muharram. Quatrièmement, et c'est principalement la raison pour laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala a cité ce chapitre, an yu'abbidahu li ghayrillah. An yu'abbidahu li ghayrillah. Qu'il lui donne comme nom Abd, et ensuite il ne met pas un des noms d'Allah. Il l'appelle par exemple Abdul Nabi, Abdul Ka'ba, Abdul Hussein, Abd, et ainsi de suite. Al-Sayyid Al-Wali, Abd Fulan wa Fulan. Donc il appelle son enfant le serviteur ou l'esclave d'un tel ou d'un tel, ou du prophète ou de la Ka'ba, ou d'une des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci entre dans le shirk asghar à la base. Amma idha i'taqada fi al-'ubudiyya al-uluhiyya aw ar-rububiyya fa hadha shirkun akbar. Donc la base c'est que c'est du polythéisme mineur. Mais dans le cas où la personne lui donne cette appellation en ayant comme croyance que véritablement son enfant a pour seigneur telle créature ou divinité, telle créature, alors à ce moment-là, il aura mis cette créature l'égale d'Allah tabaraka wa ta'ala en lui donnant le droit à l'adoration ou des propriétés d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. Ceci est du polythéisme majeur. Voici en gros ce que citent les savants pour le shirk suite à l'obtention de l'enfant. Qala Ibn Hazm رحمه الله تعالى عالم الأندلس وأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي ابن حزم أبوكني أبو محمد son prénom علي بن محمد. Il est décédé en l'an 456, rahimahullah. Ittafaqu ay ahlul ilm ala tahrim kulli ismin mu'abbadin li ghayrillah. Les savants sont unanimes, donc ils sont tous unanimes, c'est-à-dire les savants, au sujet de l'interdiction de tout nom indiquant la servitude à autre qu'Allah. Donc il y a le consensus des savants sur l'interdiction de tout nom indiquant la servitude à autre qu'Allah. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'appeler ton enfant ainsi, ou la personne n'a pas le droit de s'appeler ainsi, ou la personne n'a pas le droit d'accepter qu'on l'appelle ainsi. Puis il cite des exemples qu'Abdi Amr, comme l'esclave de Amr, ou Abd al-Ka'ba, l'esclave de Al-Ka'ba, wa ma ashbaha dhalik, et d'autres noms semblables. Donc, le fait de dire Abd, donc serviteur et esclave, puis de citer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala parmi ses créatures. Puis, il dit, Hasha Abd al-Muttalib.
Hasha Abd al-Muttalib. Que signifie cela? Hasha, c'est pour citer l'exception. À l'exception de Abd al-Muttalib. Qu'est-ce qu'on entend par cela? À l'exception de Abd al-Muttalib. Est-ce que ça veut dire que d'appeler son enfant Abd et de citer le nom d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est interdit? Sauf pour Abd al-Muttalib, c'est permis. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre de la parole? Non. حاشا عبد المطلب أي لم يقع الاتفاق على التحريم. C'est-à-dire, à l'exception de Abd al-Muttalib, il n'y a pas le consensus des savants sur l'interdiction. C'est interdit, mais il y a eu une petite divergence. Mafhoum, vous avez compris le sens? Ça ne veut pas dire que c'est permis de s'appeler Abd al-Muttalib. Ça veut dire que sur ce point, il y a effectivement une divergence. Il y a une divergence. Mais même cela est interdit. إذن حاشا عبد المطلب فمحل خلاف بين العلماء ما في إجماع. Donc le serviteur, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un enfant. Il accorde un enfant à cette femme et cet homme. هذا الولد وأنت كذلك عبد لله. الله تبارك وتعالى t'accorde un enfant. Toi tout comme cet enfant, vous êtes des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. مربوبٌ مخلوق. Vous avez un seigneur et vous êtes des créatures. À partir de là, parmi les choses les plus graves, le fait de prendre cette appellation ou d'appeler ses enfants par ce genre de nom. هذا شرك في الربوبية. C'est du shirk dans al-rububiyya et c'est du shirk dans al-uluhiyya. Fahuwa bila shak muharramun wa shirkun. Donc sans aucun doute c'est interdit et ça entre dans le polythéisme. L'ensemble des serviteurs sont humiliés devant Allah subhanahu wa ta'ala et vivent dans le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qu'Allah veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Ce serviteur n'a aucune part dans al-rububiyya. Et ne mérite aucune part donc dans Al-Uluhiyya. Donc comment est-ce qu'on pourrait appeler l'un de nos enfants serviteur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors que cet enfant, tout comme ses parents, ne sont que des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cet enfant ne fait que partie du risque d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a accordé à ses parents. Quelle ingratitude ferait le serviteur Mada? Dans quelle ingratitude tomberait le serviteur en appelant alors son enfant serviteur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah nous dit en Coran, « Kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-Rahmani abda. » Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre vient en tant que serviteur devant le tout miséricordieux. Et toi, tu es un serviteur volontaire. Parce que l'ensemble des serviteurs d'Allah, l'ensemble des créatures sont les esclaves d'Allah tabaraka wa ta'ala. De bon gré ou pas, de bon gré ou non. Hatta le kafir, même le kafir, il ne peut avancer sa mort ni la reculer. Il ne peut décider de la subsistance qui va lui être accordée. Il ne peut décider de ce qui lui arrivera. Il vit dans le destin, dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est soumis même s'il ne le veut pas. C'est l'istisla al-kawni. Naam. Il est soumis au décret universel. Puis, il y a les serviteurs qui ont une place chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui se soumet d'une soumission volontaire. Dans les ahkam shar'iyya, c'est al-muslim, al-mu'min, al-muhsin, al-musalli, al-muzakki, alladhi yuti'u Allah azza wa jal wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les serviteurs pieux d'Allah tabaraka wa ta'ala, les musulmans, les croyants, ceux qui ont choisi volontairement de se soumettre à Allah azza wa jal, de par l'unicité d'Allah azza wa jal, en concrétisant l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce serviteur à plus forte raison ne peut se permettre d'appeler son enfant serviteur d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tous ceux qui sont tombés dans cela
c'est dû, après leur ignorance, à un grand manquement dans le tawhid. C'est dû à un grand manquement dans le tawhid. Comment est-ce que la personne peut se permettre d'appeler son enfant serviteur d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala après tout cela? C'est une chose qui a eu lieu fil jahiliya. C'est une chose qui était répandue fil jahiliya. Beaucoup avaient comme nom par exemple Abdou Manaf, Abdul Uzza, et ce genre d'appellation. Et c'est répandu aussi chez les chrétiens. Le serviteur de Jibril, serviteur de Mikaïl, et ainsi de suite. Ou bien Abdul Masih, et ainsi de suite. Et l'islam est venu pour faire sortir les gens de la servitude d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala vers la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, certaines personnes ont suivi la voie des gens de la jahiliya et des gens du lit en appelant leurs enfants serviteurs d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. À leur tête, parmi ceux qui s'affilient à l'islam, Ar-Rafida, qui n'ont rien à voir avec l'islam, wa Sufiya, Ad-Dullal, et les Soufis. Ces noms-là sont très répandus chez eux. Ces noms-là sont très 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 répandus chez eux. Certains appellent leurs enfants Abdul Hussein, d'autres Abdul Zahra, d'autres Abdul Hassan, d'autres Abdul Nabi, et ainsi de suite. Ce sont des noms qui sont très 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 répandus chez ces groupes égarés. Certains ont appelé leurs enfants Roulam ou Ali. Roulam Ali, le garçon de Ali, ou Abdou Ali, l'esclave de Ali, radiallahu anhu. Chez Sofia, tu trouves Abdou Sayyid, Abdul Wali el Fulani, l'esclave de Sayyid, l'esclave de tel Wali, et ainsi de suite. Kullu hada min ash-shirk. Tu trouves aussi Abdul Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, l'esclave de. Du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonne dans le Coran de dire qu'il innama ana basharun mithlukum yuha ilay. Subhanallah. Alors qu'Allah lui ordonne dans le Coran de dire, dit je ne suis qu'un serviteur, je ne suis qu'un esclave qui a reçu la révélation. Et cela me rappelle une faute que j'avais commise lors d'un cours passé en citant. J'ai voulu citer le verset de Sourate Fussilat et j'ai cité le verset de Sourate Al-Kahf. Si je me souviens bien, un frère m'a fait la remarque à la fin du cours. Je lui avais dit de me faire le rappel pour le cours suivant, mais je ne sais pas si je m'étais corrigé sur ce point-là. Wallahu al-musta'an. Donc celui qui retrouve le passage, vous me le direz pour qu'on corrige cela, inshallah ta'ala. La personne qui donne ce nom à l'un de ses enfants est tombée dans le shirk asghar. Mais certaines personnes commettent ce grave péché en tombant dans le polythéisme majeur, comme ceux qui ont comme croyance que c'est grâce à tel wali qu'il a eu tel enfant, que c'est en ayant invoqué le wali auprès de sa tombe qu'il a eu des enfants. Après 10 années, son épouse n'avait pas d'enfant, alors elle est partie égorger une bête, ou il est parti consulter un marabout, un sorcier, un devin, ou appelez-les comme vous voulez, ils ont le même jugement, ce sont des kafars. Kazzabuna fakum. Et cette personne qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal, n'a aucune part dans l'au-delà si elle meurt ainsi, lui a dit tu vas te rendre à la tombe de tel wali, et tu vas égorger pour lui, au nom d'Allah ou au nom de tel wali. Et ensuite, d'ici peu, tu auras un enfant. Cette personne s'est exécutée, ignorante qu'elle est, des préceptes du tawhid et des bases de l'islam. Puis lorsqu'elle a eu un enfant, elle l'a appelé abd de tel wali. Est-ce qu'on va dire qu'elle a commis du shirk asrar? Non, elle est tombée dans le shirk akbar avant même d'avoir eu l'enfant. Iyadhan billah. Wallah musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il trouvait un compagnon qui avait un nom semblable, il le changeait. Il le changeait, il l'appelait et lui disait tu es désormais Abdullah, ou tu es désormais Abdurrahman, ou autre nom qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala.
Quant à ceux, donc il y a le consensus des savants sur l'interdiction de ce que je, de ce qu'on a cité ici. Sauf sur le prénom Abdul Muttalib. Al-Muttalib, comme vous le savez, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au retour d'un voyage, il était derrière Al-Muttalib. Il était derrière Al-Muttalib, le grand-père. Et à cette époque, il traversait le désert, faisait des longs voyages, il y avait le désert, il y avait le soleil. Donc la personne bronzait beaucoup. Ajoutez à cela le sable et ainsi de suite. Lorsqu'ils l'ont vu de retour de voyage, ils l'ont pris pour un esclave, pour l'esclave de Al-Muttalib. Ils ont donc dit « Hadha Abdul Muttalib ». Ils ont dit « Hadha Abdul Muttalib ». Voici l'esclave de Al-Muttalib. Puis ils se sont rendus compte que ça n'était pas l'esclave de Al-Muttalib. Ainsi, ce surnom lui est resté. Et il s'est fait connaître par cette appellation Abdul Muttalib. C'est resté. Ceux qui ont dit que c'était permis de prendre cette appellation Abdul Muttalib, ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en se présentant un jour, « Ana nabi, la kadhib, ana Abdul Muttalib. » Je suis un prophète, je ne suis pas un menteur. Je suis un Abnu Abdul Muttalib. Je suis le fils de Abdul Muttalib. Naam, le descendant de Abdul Muttalib. Ils ont utilisé ce hadith pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en citant cela, a agréé cette appellation. C'est donc permis. Ils ont aussi dit, donc pour les preuves utilisées par ceux qui ont dit que c'était permis, mais on verra que ça n'est pas l'avis, que c'est loin d'être l'avis le plus fort, comme l'ont dit les savants. Ils ont aussi dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas changé son nom, contrairement à ce qu'il avait fait avec d'autres. Il n'avait pas changé le nom de Abd al-Muttalib, contrairement aux autres personnes. Les savants qui n'ont pas opté pour cet avis, ont réfuté cela avec de nombreux arguments. Parmi leurs arguments, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yaqul hadha al-kalam insha'an bal ikhbaran mahd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'est pas lui qui a donné cette appellation. Ce n'est pas lui qui a commencé cette appellation, mais il n'a fait qu'informer de son nom. Ces termes ne sont cités qu'à titre informatif. Il ne les a pas agréés. Comment est-ce qu'il pourrait les agréer alors qu'il est venu pour faire sortir les gens du shirk vers le tawhid? Deuxièmement, Abdul Muttalib s'est fait connaître sous ce nom. Abdul Muttalib s'est fait connaître sous ce nom. Et il n'était pas du ressort du prophète sallallahu alayhi wa sallam de changer son nom. Ce n'était pas un sahabi qui obéissait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, lorsqu'il a cité cela, c'était pour dire son identité et se faire connaître des gens. Et Abdul Muttalib a été connu sous ce nom. Donc en changeant ce nom, en disant autre que ce nom, on ne l'aurait pas reconnu dans les tribus arabes. Aussi, ils les ont réfutés en disant, dans des hadiths, on trouve la descendance du prophète, quelle est la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit Abdou Manaf. Donc, si vous permettez cette appellation, vous devez aussi permettre Abdou Manaf. Et il y a le consensus sur l'interdiction de Abdou Manaf. Alors il en est de même pour Abdul Muttalib. Et ce hadith est dans Sahihayn, dans Sahih Bukhari, dans Sahih Muslim. Il les a appelés en disant « Ya Bani Abd Manaf ». Naam. Donc, tout comme Abd Manaf est interdit,
Abdul Muttalib l'est également. Donc lorsque tu informes d'une chose connue, ça ne veut pas dire que tu l'agrées toi-même. Lorsque tu informes d'une chose connue, ça ne veut pas dire que tu l'agrées toi-même. S'il y a une personne qui s'appelle Abdul Nabi, cette appellation comporte du shirk. Mais toi tu cites, tu dis que le nom de un tel c'est Abdul Nabi. Est-ce que ça veut dire que toi tu le reconnais, cette appellation, et tu agrées et tu aimes cette appellation? Non, tu n'as fait que qu'informer de son nom. Ben, c'est pareil pour ces ahadiths. Donc la conclusion, c'est que c'est interdit d'appeler son enfant par un nom dans lequel il y a la servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Même Abdul Muttalib, il a le même jugement que les autres. Un instant. Non. Puis l'auteur a cité un athar qu'il a attribué à Ibn Abbas. وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه أو فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا فذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit concernant le verset précédent: lorsqu'Adam alayhi salam a cohabité, ça veut dire a eu des rapports sexuels avec Hawa, si ils ont traduit par Ève, elle tomba enceinte. Donc, falamma tarashaha ayjama'aha. Elle tomba enceinte. Iblis, que Shaytan, va les voir et leur dit: c'est moi, votre compagnon, qui vous ai fait sortir du paradis. Obéissez-moi ou je ferai en sorte que votre enfant soit doté de cornes de cerf, qui lors de l'accouchement vont vous déchirer votre ventre. Et je le ferai. Allahu alam si le sens n'est pas et je ferai telle chose et je ferai telle autre chose. À vérifier. Pour leur faire peur. Donc il a cité tout cela pour leur faire peur. Donnez-lui le nom de Abdul Harith. Al-Harith, c'est un de ses noms. C'est pour ça qu'il a voulu qu'il l'appelle Abdul Harith, car c'est un des noms de Iblis. Adam et Hawa, le mieux c'est de mettre Hawa, de ne pas mettre Ève.
Dans les textes, on trouve Hawa. Il faut enseigner aux musulmans que leur mère se nomme Hawa. Et non pas prendre les appellations qu'on trouve chez les gens du livre. Et ce qu'il y a dans les textes nous est suffisant. Adam et Hawa refusèrent de lui obéir. Certains savants ont dit, on a appelé Adam Adam, لأنه مأخوذ من أديم السماء الأرض, car il a été pris, il a été fait de terre, de partie de la terre. Et Hawa, il y a la notion de d'être vivant, car elle a été créée, يعني خلقت من حي, car elle a été créée d'un être vivant. Comme vous le savez tous, Hawa a été créée de Adam. Naam, elle a été créée de quelle partie? De la côte. Laquelle? La côte gauche. Laquelle? La plus courbée. La pose est dire la plus tordue. Naam. Taïd. Et Iblis, certains savants ont dit que cette appellation a été donnée du fait qu'il désespère d'être touché de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla d'entrer au paradis. D'autres ont cité d'autres choses. Adam et Hawa refusèrent de lui obéir. L'enfant sortit mort. Donc il est né et décéda, ou il est mort né. Plus tard, Hawa retomba à nouveau enceinte. Iblis vint les voir à nouveau et leur répéta les mêmes propos. Ils refusèrent encore. Ici, vous avez « ils ont refusèrent ». Donc, vous corrigez. Donc, ils refusèrent encore ou à nouveau de lui obéir. Et l'enfant vint au monde mort. Plus tard, alors que Hawa tomba enceinte, Iblis vint à eux et il répéta les mêmes propos. Mais ils furent pris par l'amour de l'enfant. Alors, ils le nommèrent Abdul Haris. C'est à ce sujet qu'Allah révéla le verset. Tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Propos rapporté par Ibn Abi Hatim. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, rapporte aussi que selon une chaîne de transmission authentique, que Qatada dit, ils lui donnèrent des associés dans l'obéissance et non pas dans l'adoration. C'est-à-dire en obéissant au shaitan, donc comme l'ensemble des péchés, non pas dans l'adoration. Selon une chaîne de transmission authentique, Ibn Abi Hatim rapporte d'après Mujahid qu'il dit au sujet de la parole divine, si tu nous donnes un enfant sain, donc en bonne santé, les deux époux craignaient que leur enfant ne soit pas un être humain. Les mêmes propos ont été rapportés par Al-Hassan, Saïd et d'autres. Après avoir vu cela, ces propos étonnants, voyons l'authenticité de ce texte. Ce texte n'est pas authentique. Ce texte n'est pas authentique. On va détailler cela. Un frère demande, qu'est-ce que le consensus ? Al-Ijma'. C'est lorsque l'ensemble des musulmans ou bien l'ensemble des savants qui ont atteint le niveau nécessaire à faire un effort de réflexion se mettent d'accord sur un avis religieux. Par exemple, il y a le consensus que le shirk est le plus grand des péchés. Il y a le consensus que la prière est obligatoire. Il y a le consensus que l'alcool est interdit. Est interdit, ainsi de suite. Donc le consensus, c'est l'unanimité. C'est un avis choisi à l'unanimité d'un groupe de personnes. D'une même époque.
Donc ce athar a été cité pour expliquer le verset. Donc, ce qui serait voulu par le verset Ja'ala lahu shuraka'a, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné, c'est-à-dire appeler l'enfant Abdul Haris. D'accord? Donc selon ce athar, le sens du shirk, c'est d'appeler l'enfant par serviteur d'autre qu'Allah. Mafhoum, c'est compris? En réalité, ça c'est un des points, comme on l'a cité au début. C'est un des points comme on l'a cité au début. Wal-Harith ismun li-shaytan. Jumhur al-mufassiri ala anna al-aya fi Adam wa Hawa. La plupart des savants disent que le verset a un rapport avec Adam et Hawa. Et ils ont utilisé le tafsir de ce verset comme ce athar, des hadiths et un consensus qui a été cité par certains savants. Le hadith de Samura, qui est proche du athar d'Ibn Abbas ici. Ils ont utilisé des athars, ils ont utilisé des hadiths. Mais les savants ont dit qu'ils sont tous faibles. Ils sont tous ضعيف. في عمر بن إبراهيم العبدي عن قتادة إسين شن الترانسميشن فابل. aussi c'est selon Hassan. bien on dit que Hassan a rapporté ou entendu de Samura et les savants ont grandement divergé dans cela. Et parmi les choses qui nous montrent que ce athar est faible, c'est qu'Al-Hassan lui-même, rahimahullah ta'ala, dans un autre texte dit que ce verset concerne les mouchriquins. Ce verset concerne les associateurs. Donc il est dans cette chaîne de transmission et ailleurs, on voit qu'il a expliqué ce verset en disant qu'il s'agit des associateurs. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla leur donne un enfant, il lui donne des associés dans cela. Et si il avait un texte qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas choisi autre que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer ce verset. Parmi les preuves qui nous montrent que ce athar est faible, c'est qu'on a d'autres paroles d'Ibn Abbas lui-même radiallahu anhu où il dit le contraire de cela, ou bien où il dit autre que cela. Rouya an Ibn Abbas wa Ubay ibn Ka'b. D'accord? Plusieurs chaînes de transmission. Ils ont dit autre que cela. Aussi, la troisième preuve, ou la quatrième, ou bien plutôt parmi leurs preuves, c'est que Ibn Jarir, dans son tafsir, a dit qu'il y a al-ijma'a. Il y a le consensus des savants quant au fait que ce verset concerne Adam et Hawa. Les autres savants ont répondu et ont réfuté. Ils ont dit, il n'y a pas le consensus. Al-Hassan a cité autre que cette parole et d'autres encore parmi les savants. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a été rapporté de lui aussi autre que cette parole. Troisièmement, c'est connu qu'Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala, fi isti'malihi lil-ijma', yani la yara ba'san fi dhikri lil-ijma' ma'a mukhalafati al-wahid aw al-ithnayn. Ibn Jarir dit qu'il y a le consensus même lorsqu'une ou deux personnes ont contredit cet avis. Ça fait partie de sa terminologie à lui. Il dit quand même il y a le consensus. Alors que le consensus, il faut que l'ensemble des savants soient d'accord. Si un savant ou deux disent ou apportent un autre avis,
alors on ne dira pas qu'il y a le consensus. Et il se peut que la vérité soit, que la vie le plus juste soit avec la minorité. Même si souvent il est avec Al-Jumhur, et qu'il ne convient pas de contredire Al-Jumhur facilement, comme a expliqué Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. On ne contredit Al-Jumhur qu'avec des preuves fortes, pour celui qui a de la science. Certains parmi les savants qui ont dit cet avis ont dit que Adam alayhi salam n'est pas lui tombé dans cela, mais c'est Hawa. Les autres ont réfuté, ont dit que yani Adam c'est lui, yani le père. Pourquoi est-ce que les savants ont dit que ça n'est que Hawa, pour exempter Adam de shirk? Car dans le verset, le mot shirk a été cité. Donc en prenant cet avis, tu seras obligé de reconnaître que Adam est tombé dans le shirk, et ça n'est pas une parole simple à dire. Donc ils ont dit, cela fut l'action de Hawa et non pas de Adam, alayhi salam. Les savants réfutés ont dit que dans le verset, on cite les choses au Muthanna, au duel. On cite les choses au duel, c'est-à-dire on dit deux personnes, le père et la mère. Donc, quelle est la preuve que Hawa a fait cette chose et non pas Adam? C'est une autre problématique. Aussi, ils ont dit qu'ils n'est pas tombé dans le shirk. Ils ne sont pas tombés dans le shirk, dans l'adoration, mais dans l'obéissance. Ça ressemble donc aux autres péchés. Min jins adh-dhunub. Voici le premier avis. C'est de dire que ce verset concerne Adam et Hawa. Et lorsqu'ils ont eu un enfant, ils l'ont appelé Abdul Harith. Le second avis, c'est l'avis d'Al-Hassan al-Basri, d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, d'Ibn Kathir, d'Ibn Hazm, et d'autres parmi les savants. Ibn al-Arabi, Cheikh Mohamed Al-Amin Ash-Shinqiti, rahimahumullah, Ibn Sa'di, Ibn Uthaymeen et d'autres. Ils ont dit le verset ne concerne pas Adam et Hawa. C'est-à-dire, ils ne sont pas tombés dans le shirk. Le passage où on nous dit qu'ils ont donné des associés à Allah ne concerne pas Adam et Hawa. Puis ils ont divergé. Donc premièrement, Adam et Hawa ne sont pas concernés par le shirk cité dans le verset. C'est la première chose à retenir. Deuxièmement, ceux qui ont dit cet avis ont expliqué cela de deux manières. La première manière est de dire que le début du verset concerne Adam et Hawa. Le contexte cite Adam et Hawa. Puis, on sort de ce contexte pour parler de la généralité des parents. Donc on ne parle plus de Adam et Hawa. Lorsqu'il s'agit du shirk, il s'agit de l'ensemble des gens. C'est-à-dire que parmi les parents, certaines personnes, lorsqu'on leur donne des enfants, ils commettent du shirk. Il ne s'agit plus de Adam et Hawa. فَانْتَقَلْنَا مِنْ ذِكْرِ آدَمَ وَحَوَّا إِلَى جِنْسِ الْبَشَرِ. Est-ce que c'est compris? Donc tu parles ici d'une généralité, tu parles ici de Adam et Hawa, puis tu passes à autre chose en citant la généralité des gens. Parmi eux, certaines personnes commettent un shirk. La deuxième parole des gens de science qui ont choisi cet avis est de dire « هذه الآية لا تتعل أو ما لها علاقة بآدم وحواء البتة. » Les autres ont dit ce verset n'a aucun rapport avec Adam et Hawa, du début à la fin. Ce verset n'a aucun rapport avec Adam et Hawa, du début à la fin. Donc le verset cité dans le livre est dans Sourate Al-A'raf. Verset 190.
Avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma athqalat da'aw Allah rabbahuma la in ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin. Falamma ataahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fi ma ataahuma. فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون الآيات. Donc en revenant en arrière, verset 189, on trouve la traduction: c'est lui qui vous a créé dans ses lettres, dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait, c'est-à-dire facilement. J'ai cela entre parenthèses, Allahu a'lam. Puis, lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Puis, lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir, ni se secourir eux-mêmes? Jusqu'à la fin des versets. Donc, deux avis des gens de science concernant le deuxième avis. Le premier, c'est que le début du verset concerne Adam et Hawa. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin Adam wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ay Hawa. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Donc c'est lui qui a créé Adam, ou bien c'est lui qui vous a créé de Adam, dont il a tiré son épouse, donc Hawa, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Naam. Donc parmi les fawa'id, parmi les sagesses du mariage, il y a quoi, Sofiane? Naam, Ibrahim, tu es متزوج. Allah mubarak. C'est que l'homme trouve la tranquillité auprès de son épouse. Donc la femme qui n'accorde pas la tranquillité à son époux, elle a un khalal ou pas? Vous êtes tous venus accompagner ou quoi? Pourquoi vous répondez pas? La femme qui n'accorde pas le repos à son mari, suite à ce verset, on comprend qu'elle ne concrétise pas une des sagesses du mariage. Wadah? Naam. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas toi accorder la tranquillité à ton épouse, mais je ne fais que lire le Coran. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, c'est-à-dire eut des rapports avec elle, elle conçut une légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait. Puis lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Donc ils ont dit que ce qu'il y a avant ça concerne Adam et Hawa. Puis, la suite, à partir de ce sur quoi je viens de m'arrêter, jusqu'à la fin, concerne Jins el Bachar. La suite ne concerne plus Adam et Hawa, mais ça concerne la généralité des gens. Donc parmi les gens, certaines personnes invoquent Allah afin d'avoir des enfants saints, en bonne santé, qui vivront. Puis lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde cela, et ils promettent d'être reconnaissants. Puis lorsqu'Allah leur accorde cela, tous deux, donc le père et la mère, assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'il lui a assis. Est-ce que c'est compris? D'autres ont dit, ni ce qu'il y a avant, ni ce qu'il y a après ne concerne Adam et Hawa. D'accord? Tout cela concerne les associateurs. Al-Mushrikoun. Ils invoquent Allah, tabaraka wa ta'ala, demandent Allah des enfants pieux. Naam?
Puis lorsqu'Allah Azza wa Jalla, des enfants sains, en bonne santé, puis lorsqu'Allah Azza wa Jalla leur accorde cela, il lui donne les associés. Comment? Comme on a expliqué au début. Ils disent que c'est autre qu'Allah Azza wa Jalla qui a créé cet enfant. Et ils font revenir le bon déroulement de l'accouchement, ou bien le fait que l'enfant ait vécu à autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ou ils appellent leur enfant serviteur d'autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tout cela concerne ou entre eux dans le verset. Ils donnent comme nom une connotation ou bien un nom où il y a la servitude accordée à un autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Voici les deux explications des gens de science. Les savants qui ont avancé cet avis ont cité de nombreuses preuves. Après avoir réfuté les preuves de ceux qui ont avancé le premier avis. C'est-à-dire que ce verset concerne, ou bien que cet acte a été fait par Adam et Hawa. Premièrement, pour dire que Adam et Hawa ne sont pas tombés dans ce péché, et que cela ne les concerne pas. وقوع الاتفاق على تنزيه الأنبياء عن الوقوع في الشرك كبيره وصغيره. Premièrement, il y a le consensus des savants quant au fait que les prophètes sont exemptés du polythéisme et ne tombent pas dans le polythéisme, que ce soit le grand polythéisme ou que ce soit le petit polythéisme. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a cité le consensus quant à cela et d'autres également. Et Adam alayhi salam en fait partie. Comme dans le hadith Nabi al-Mukallam, c'est un prophète. C'est un prophète alayhi salam. Ils sont aussi tombés d'accord sur le fait qu'ils ne tombent pas dans les grands péchés. La yaqa'una fil kaba'ir. Comme l'a cité encore Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc comment est-ce qu'on pourrait dire que ce qui a été appelé ici shirk par Allah tabaraka wa ta'ala concerne Adam et Hawa? Thaniyan, qala Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allah amma yushrikun. Allah subhanahu, deuxième preuve, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à la fin, exempté soit Allah, ou Allah est bien au-dessus de ce qu'il lui donne comme associé. ولو كان المراد بالآية آدم وحواء لقال فتعالى الله عما يشركان. Donc bien élevé ou bien au-dessus, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé au-dessus de ce qu'il lui assigne comme associé. Ce verset, et si on le cite, on cite ces gens-là au pluriel. Donc le pronom qui est utilisé est un pluriel. Si cela concernait Adam et Hawa, on n'aurait pas cité le pluriel, mais plutôt Al-Muthanna, le duel. On aurait cité le duel. On aurait dit ce que tous deux lui associent. Tout comme on a cité le pronom du duel auparavant. Troisièmement, قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Est-ce qu'il lui donne comme associé ce qui ne peut créer et qui sont eux-mêmes créés? Est-ce qu'on peut parler ainsi de Adam et de Hawa? Sans aucun doute, ceci est la croyance des associateurs. Et on ne va pas parler de Adam et de Hawa ainsi, qui, eux, étaient ou faisaient partie des monothéistes. Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés? Donc on ne peut qualifier Adam de cela.
رابعا لو قلنا إن المراد بالآية آدم وحواء، إما أن نقول بعد ذلك تاب من هذا الذنب، أو ما تاب من هذا الذنب. Donc, si on choisit comme avis que cela concerne Adam et Hawa, c'est-à-dire qu'ils ont commis cet acte de polythéisme, par la suite, on se trouve dans l'une de ces deux situations. Soit on dit qu'ensuite ils se sont repentis, soit on dit qu'ensuite ils ne se sont pas repentis. Donc ceux qui répondraient à cela en disant, sans aucun doute, ils se sont repentis. Les savants ont dit, « Aïna d'Dalil ?» Où est la preuve de cela? Car la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on voit à travers le Coran, c'est que lorsqu'il cite une chose semblable, on cite ensuite le repentir. Comme dans l'histoire de Adam et de Hawa. On nous cite qu'ils se sont repentis. Allah azza wa jalla le cite dans le Coran. Donc si cela avait eu lieu, on nous aurait également cité le repentir. La deuxième éventualité, c'est que la personne réponde, ils ne se sont pas repentis. Et sans aucun doute, c'est une parole lourde de sens de dire que Adam alayhi salam ne s'est pas repenti d'un acte de polythéisme qu'il a fait de dunya, et donc il rencontrera Allah tabaraka wa ta'ala avec Naam. Donc dans les deux cas, on reste dans ce problème. خامسا قال الله أيشركون ما لا يخلق شيئا وما الأصل أن تكون لغير العاقل. Ici Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés? Ici ma fait référence à des choses dénué de raison. Pour une chose qui a la raison, on aurait utilisé « men ». Donc si on suit l'explication qui nous pousserait à dire que ça concerne Adam et Hawa, « ma » concernerait Iblis. Donc on aurait dit « men ». Cela vient appuyer encore une fois le fait qu'il ne s'agit pas ici de Adam et de Hawa. فَلَوْ أُرِيدَ إِبْلِيسَ لَقِيلَ مَنْ. سادسا لم يذكر إبليس في الآية. Sixièmement, dans le contexte, à aucun moment on nous parle de Iblis. Contrairement à l'histoire de Adam et de Hawa, lorsqu'ils ont mangé de l'arbre, on nous cite que la cause, c'est Iblis, on nous le cite dans l'histoire. Et ici, à aucun moment, on nous parle de Iblis. Thaminan, ou sabi'an, septièmement, قال الله سبحانه وتعالى, جعل له شركاء. لو كان المقصود الإشراك بإبليس, لقال جعل له شريكا. La shuraka. Septièmement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, donc la traduction, il lui assigne des associés, au pluriel. Si on avait fait référence à Iblis, on aurait dit il lui assigne un associé, au singulier et non pas au pluriel. Et d'avoir cité cela au pluriel convient mieux et en parfaite concordance avec les actions de qui? Al-Mushrikoun, des associateurs qui eux prenaient de nombreuses divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thaminan, huitièmement, une preuve qui est très subtile. Adam alayhi salam qad i'tadhara kama fi hadith al-shafa'a bil akli min ash-shajara yawm al-qiyamah.
le jour de la résurrection, comme vous le savez, les gens vont aller trouver Adam alayhi salam afin qu'il intercède auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'on commence le jugement. Adam alayhi salam va s'excuser en disant qu'il ne peut aujourd'hui intercéder en leur faveur, en disant que leur Seigneur est en colère comme jamais il ne l'a été auparavant et comme jamais plus il ne le sera plus dans le futur. Puis il dira, on m'avait interdit de manger d'un arbre et j'ai mangé de cet arbre. Donc quelle chose citera-t-il en excuse? Le fait d'avoir mangé de l'arbre. On est d'accord? S'il avait commis cette chose qui entre dans shirku billah, cela aurait été à même ou plus à même de, d'être cité. Car, bi ijma'i ahli l'ilm, الشرك الأصغر أكبر الكبائر. Car sans aucune divergence entre les gens de science, le polythéisme mineur est le plus grand des péchés. Donc Adam yom al-qiyama va citer le fait d'avoir mangé de l'arbre et ne cite pas cette chose aussi grave qui entre dans le polythéisme. Donc s'il avait commis cette chose-là, il l'aurait cité. لأن جنس الشرك أشنع وأعظم من جنس المعاصي. Puis ils ont dit neuvièmement في هذا المتن نكارة. Ils ont dit dans ce texte il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Comment penser de Adam et de Hawa qu'ils sont tombés dans ce péché? Qu'ils peuvent reconnaître et croire les propos de Iblis, qu'il est capable de faire cela de l'enfant, de le faire naître avec des cornes, et que ces cornes pourraient déchirer Naam, les entrailles de Hawa ou autres. Al-Muwahhid, le monothéiste de base, s'éloigne de certifier ce genre d'informations. Que dire alors de Adam alayhi salam? Dixièmement, dans le texte, on voit que Iblis a dit, c'est moi votre compagnon qui vous ai fait sortir du paradis. Inni sahibukum alladhi akhrajtukuma min al-jannah. Je suis votre compagnon qui vous avait sorti auparavant du paradis. Il vient pour les effrayer. Il vient pour les égarer. Et il commence à les prévenir de cela. Lorsque tu veux égarer quelqu'un, lorsqu'une personne veut en égarer une autre, il la trompe. Il ruse. Tout comme il a fait pour les pousser à manger de l'arbre. هل أدلكم على شجرة الخلد. Ne vais-je pas vous annoncer l'arbre qui vous donnera l'éternité? Car lorsque tu es au paradis, la seule crainte que tu puisses avoir, c'est d'en sortir un jour. Donc il a utilisé la ruse. Alors que là, il se dévoile directement. Donc des savants ont dit que même dans le texte, il y a des choses qui ne vont pas avec... Donc même dans le texte, il y a des choses qui ne vont pas avec le contexte. Voici 10 points qui ont été cités par les savants. Allahu a'lam si il y en a d'autres. Tout cela pour dire que ce athar n'est pas authentique. Et que la vie le plus juste avancée par les gens de science est la vie de l'Hassan, rahimahullah, d'Ibn al-Qayyim, d'Ibn Kathir, d'Ibn Sa'idi, Cheikh Mohamed Amin Shinqiti, Ibn Athaymin et d'autres
rahimahumullah, jami'an. Donc soit nous disons que le début concerne Adam et Hawa, puis que nous sommes passés à Jins al-Bashar, à l'ensemble des parents, soit que ce verset n'a pas de rapport avec Adam et Hawa, mais qu'il concerne directement les associateurs. Et pour conclure, on résume les différentes formes par lesquelles les parents commettent du polythéisme en ayant l'enfant. La première façon, nisbatul ijadi wal khalq li ghayrillahi subhanahu wa ta'ala. Donc la première façon est de dire qu'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé cet enfant. Qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet enfant. Wa manaha hadha al-walad li abawayhi, et a donné cet enfant à ses parents. هذا ما حكمه شرك أكبر في الربوبية. Ceci, sans aucun doute, est du polythéisme majeur dans la seigneurie. Deuxièmement, أن يقول الوالد أو الوالدان بعد البشارة بالولادة بولد ذي صحة وسلامة هذا بفضل الطبيب أو لولا هذا الطبيب ومهارة هذا الطبيب لما سلم الولد أو لما عاش وما أشبه ذلك. Deuxièmement, le fait d'attribuer le bienfait du caractère saint de l'enfant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le bon déroulement de l'accouchement, le fait que l'enfant vit, qu'il soit saint et sauf à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, an yu'abbada al-awlad bi asma'in. Troisièmement, le fait d'appeler ses enfants en disant le serviteur ou l'esclave d'autre qu'Allah. Comme on peut entendre, rarement j'espère, Abdul Nabi ou bien Abdul Ka'b. Hada haramun la yajuz. هذا الذي تيسر وصل اللهم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On va étudier une des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons fait la semaine passée, dans quelques secondes. Un frère qui demande si on rencontre ou on trouve des gens qui ont pour prénom Abdul Ali et des noms semblables. Que faire? Qu'entendez-vous par Abd Ali? Est-ce que vous entendez par cela El Ali, Al-Kabir, Al-Muta'al, Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien Ali, le prénom de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu? Donc le fait de s'appeler Ali, le prénom connu du quatrième calife de l'islam,
C'est une bonne chose, il n'y a aucun mal. Quant au fait de s'appeler serviteur de Ali, ceci entre dans le chapitre. Ceci entre dans le chapitre. لير الفوائد للشيخ صالح الفوزان في الشابتر جوبليه ما يستفاد من الآية تحريم التسمية بكل اسم معبد لغير الله كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبة صالح الفوزان حفظه الله تعالى دي on tire de ce verset l'interdiction d'appeler ou de nommer une personne par la servitude d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme le serviteur de l'Hussein ou le serviteur du messager ou le serviteur de la Kaaba. أن الشرك يقع في مجرد التسمية ولو لم تقصد حقيقته أو ولو لم تقصد حقيقتها. Appeler une personne serviteur d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala entre dans le polythéisme même si la personne n'a visé par cela que l'appellation, sans le réel sens de ce qui est cité. La preuve de cela est le verset. Allah Azza wa Jalla a appelé cette action shirk. أن هبة الله للرجل الولد السوية من النعم التي تستحق الشكر. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse le don d'un enfant en bonne santé qui n'a pas ni de handicap ni de maladie fait partie des bienfaits d'Allah qui requiert de ta part la reconnaissance. La reconnaissance. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. C'est un rappel très important que nous fait ici le grand savant Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Et pour se rendre compte, et une des façons de se rendre compte de ce grand bienfait est le fait de visiter les malades. Na'am. Ou de regarder la difficulté que vivent les parents qui ont un enfant handicapé, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala yusabbirahu. Donc la personne doit remercier Allah Azza wa Jal pour sa personne et pour le fait qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé des enfants pieux, des enfants saints. Aussi, lorsqu'ils sont malades, regarde la fatigue qui te touche. Le souci, la tristesse, et ainsi de suite. Donc remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour ce grand bienfait. Puis si tu as un enfant malade, remercie à nouveau Allah tabaraka wa ta'ala du fait qu'il ne soit pas autant malade que l'autre enfant. Remercie Allah azza wa jal d'avoir allégé ton épreuve et que ton enfant soit moins malade que beaucoup d'autres. Puis si ton enfant est très malade, remercie Allah azza wa jal de t'avoir laissé ton enfant. Car il aurait pu te le reprendre, tout comme il a repris d'autres, tout comme d'autres parmi les enfants ont été repris. Et si ton enfant est né puis ensuite décédé, remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pu voir ton enfant vivre. Naam. Contrairement à d'autres qui n'ont jamais vu
d'enfants. Walillah al-hikmah. Anna min shukrillah in'amillahi bilwaladi ta'bidahu lillah. Parmi la reconnaissance du serviteur envers Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il lui a accordé un enfant, le fait de l'appeler serviteur d'Allah, le fait de lui donner un nom, Uliya ta'bid lillah, comme Abdullah, comme Abdurrahman, comme Abdul Karim, comme Abdul Hayy al-Qayyum, ou bien Abdul Hayy, ou bien Abdul Qayyum. Naam. وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا ذرية صالحة طيبة بإذن الله سي الله سبحانه وتعالى مكات دو garçons j'appellerai le premier Abdullah et le deuxième Abdurrahman. Quelle est la dua que nous avons mémorisé, que nous avons lu, mémorisé, étudié et, et mis en pratique. Qu'est-ce qu'il a récité? Ça va se faire. Alhamdulillah illadhi. جزاك الله خيرا عند من كيف كان يمغز الدعاء تفضل نعم كيف كان apporté ce hadith deux parmi les sahaba تفضل comment je n'entends pas عند من تفضل البراء ابن عازب الصحابي الثاني كي لو دوزيام كومبانيون كي رابورتي سو حديث عند من لا لا حذيفة بن اليمن الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور سي الحديث حذيفة بن اليمن et d'Al-Bara ibn Azib. Dans quel recueil on peut trouver ce hadith? Le recueil de l'imam Bukhari et le recueil de l'imam Muslim, rahimahullahu, rahimahumullah. Après que la personne se soit réveillée et entamée sa et cela par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, en général elle s'habille. Naam. En général elle s'habille. Donc nous allons mémoriser cette dua. Alhamdulillah alladhi kasani hadha entre parenthèses baina qawsayn al-thawb wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa. La traduction: louange à Allah qui m'a vêtu, entre parenthèses, de cet habit et me l'a accordé sans peine ni effort de ma part. هذا الحديث صحابي معاذ ابن أنس الأنصاري ضعه على الأرض. اجلس. ونجده عند أهل السنن إلا النسائي أي عند أبي داود رحمه الله والترمذي وابن ماجه. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et c'est la parole de son recueil qu'on a ici par al-Tirmidhi par Ibn Majah. C'est le hadith de Mu'adh ibn Anas. Le
Nous allons expliquer, inshallah ta'ala, après l'adhan. فمرة ثانية في هذا الحديث في هذا الذكر نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يحمد لأمرين كما ذكرناه لكماله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل ولإحسانه وهو الجواد الكريم وهنا نحمد الله سبحانه وتعالى بأن رزقنا ونحمده سبحانه وتعالى على إحسانه فنحمده على كماله وإحسانه. Dans cette invocation, encore une fois, on remercie Allah سبحانه وتعالى et on le loue pour sa perfection et pour ses bienfaits. Parmi les grands bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'il nous accorde des vêtements. Parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il nous permette de couvrir notre awra. Et les gens de science ont cité, ou citent en général trois choses. Le premier bienfait, satr al-awra, ça te permet de couvrir ta nudité. Et ce bienfait est cité dans le Coran, dans l'histoire de Adam et Hawa. Imagine-toi ayant un besoin de sortir de chez toi, mais que tu sois dans une situation où tu n'as pas de vêtements. Et en même temps, tu es obligé de sortir. Dans quel état tu te retrouverais? Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as des vêtements avec lesquels tu peux couvrir ta nudité. Deuxièmement, تَتَّقِي بِهَا الْبَرْدِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. Deuxièmement, tu peux te préserver du froid, ou bien avec certains vêtements, tu peux te préserver du soleil ou de la chaleur, et ainsi de suite. Donc c'est un grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous ait accordé des vêtements adaptés aux différentes saisons. Il nous permet de nous habiller avec des tenues pour chaque saison. Troisièmement, les tazyin. Troisièmement, pour t'embellir. Tu utilises les vêtements pour t'embellir. Demain, nous sommes le jour du Jumu'ah. On nous a encouragés à mettre de beaux vêtements. Naam. Bien nous habiller. Donc, voici trois choses citées en général par les savants. Donc le fait de s'habiller est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Il nous faut donc être reconnaissants. Parmi cette reconnaissance, à chaque fois que tu t'habilles, faites de citer cette dua. Alhamdulillah illadhi kasani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwah. La louange à Allah qui m'a vêtu donc de cet habit et me l'a accordé sans peine ni effort de ma part. Alhamdulillah rabbil alamin. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك